tour de contrôle de la patrouille, puis j'ai fait un camion qui rentre dans la terre puis qui se transforme en camion encore plus. Donc voici la tour de contrôle. Comme vous voyez, il y a la batte, la patrouille, un télescope, il y a les voitures. Moi, j'adore ce que j'ai fait. Donc on va... je vais vous montrer tout. Donc comme vous voyez, il y a l'ascenseur, j'ai fait des véhicules tout en entour. Ça c'est le véhicule de Jace. Comme vous voyez ici, il y a le véhicule de Marcus, le pompier. Il y a l'échelle, j'ai tout fait les lumières aussi. Donc ça c'est le véhicule de Ruben avec la boule puis la pelle. Ça c'est le véhicule de Zuma. Ça c'est le véhicule de Rocky avec les palettes, la rhum, tout. Puis ça, c'est l'hélicoptère de Stella. C'est un hélicoptère. Et ça, c'est le véhicule de Jace, le policier. Donc, on va aller dans l'ascenseur. L'ascenseur. Donc, l'ascenseur fonctionne en utilisant la mode vol, comme vous voyez. Donc, on passe en dessous, on passe en arrière de la bâche de patrouille. Puis on monte jusque vous voyez la fenêtre plus haut, c'est là qu'on va aller. Ici, voilà. Donc, c'est la tour. Donc, comme vous voyez, c'est l'écran. Il y a toutes les couleurs des véhicules, à part le... vous voyez ici, il y a tous les boutons de contrôle pour contrôler l'écran. C'est très beau, là, je trouve. On a la vue d'en bas des fenêtres, qui est normal. Donc, on va... Donc, ensuite, on va faire assemblant qu'il y a une mission. Puis, on va descendre la glissade d'eau, très haute. Une mission ultime. Vraiment, youpi! J'aime vraiment ça, la glissade. C'est un moment cool. Donc, on va continuer à descendre. Donc, rendu en bas, on saute dans le véhicule de Chase. Puis, on va commencer à transformer le véhicule. Donc, ça, c'est tous les systèmes que j'ai fait. Donc, on va cliquer sur le bouton, puis ça va nous faire descendre en dessous de la terre dans une place très spéciale. Et voilà. On est rendu dans une caverne. Donc, ensuite, on va tout équiper le véhicule de beaucoup plus de choses. Donc, on va cliquer sur un bouton qui va amener la remorque au véhicule, comme vous pouvez voir. C'est l'intérieur, il y a des trous sur le mur, mais vous allez voir pourquoi. Donc, ensuite, on va cliquer sur un autre bouton qui va amener deux motos sur le véhicule. Avec le mécanisme. Le prochain bouton va faire un hélicoptère sorti du mur, comme vous voyez. Un hélicoptère qui sort du mur, d'un mur. Puis le prochain, ça va faire descendre l'hélicoptère dans le camion lui-même. Donc ensuite, on va cliquer sur le prochain bouton qui va ouvrir le toit. Et voilà, donc c'est par là qu'on va sortir. Donc on va encore cliquer sur un autre bouton pour nous faire avancer, pour aller vis-à-vis la sortie. Ensuite, on va cliquer sur le prochain bouton pour monter. Voilà, donc ça c'est fini. Donc on a tout sorti, tout équipé avec des motos, un trailer, un hélicoptère, puis on est rendu en arrière de la tour de contrôle. Donc on a fait un 360. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment...